Bonjour et bienvenue à l'IPER. Alors, qu'est-ce que l'IPER ? L'IPER est un institut pastoral d'études religieuses qui fait donc partie du pôle de théologie de l'Université catholique de Lyon et qui s'adresse principalement à des chrétiens qui sont en responsabilité ou en service pour leur église particulière, que ce soit des laïcs, des prêtres, des religieux, des religieuses, des personnes impliquées dans les paroisses, dans la catéchèse, dans la préparation au sacrement, dans l'accompagnement des jeunes, dans l'enseignement catholique, mais aussi dans les associations, dans les mouvements, la diaconie par exemple, le service des plus pauvres, aussi pour accompagner les personnes qui interviennent comme aumôniers d'hôpital. Enfin, en fait, la spécificité de l'IPER, c'est d'accueillir des personnes qui veulent se dédier, se consacrer un temps à l'intelligence de leur foi, mais qui ont aussi comme particularité d'être acteurs dans une pastorale et qui cherchent aussi une formation qui informe leur pratique pastorale. Cette formation accueille plus d'une centaine d'étudiants par an qui viennent des diocèses de la région, mais aussi des religieuses d'autres continents. Beaucoup de laïcs, pères et mères de famille. L'IPER propose différents types de formations. Donc il y a des diplômes un peu généraux, un diplôme plus tourné vers la pastorale, un certificat qui permet d'acquérir une initiation théologique dans un temps restreint, et puis également des certificats plus spécialisés, soit du côté de la famille, soit du côté de la liturgie. Et enfin, nous avons une certification professionnelle, un titre RNCP, déposé au ministère du Travail, qui est un titre plus professionnalisant, puisqu'il délivre les compétences d'un chargé de mission pastorale. Cet ensemble de formations peut s'adresser aussi bien à des personnes avec un statut étudiant, validant l'ensemble de leur parcours, qu'à des personnes auditeurs libres qui souhaitent simplement s'associer pour un temps et pour une partie à la formation proposée.